Retour au cimetière. On n'est pas pris de quitter ce cimetière, hein. C'est le retour du squelette prodigue. Tu dois maintenant parcourir le monde des vivants, mais méfie-toi des gardiens du cimetière. Ils ont horreur des ossements à l'air libre. Nous verrons bien cela. On a des feuilles qui s'excitent en bas de l'écran. Allez. C'est beaucoup plus lent, mais ça a l'air de faire plus mal. Oh. C'est moi où il y avait. J'espère qu'il n'y a pas un coffre ou un trésor ou quelque chose comme ça qui va se balader sur ça. Alors en face, nous avons des zombies avec une espèce de fumée en AOE. Je suppose qu'il va pas falloir aller dedans. Sifflotte. Nino qui sifflote, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont passer là-dedans. Oh là là, bon ben plouf. Qui c'est qui est tombé à côté? Mais non, mais j'ai rien fait. J'ai pas bougé là, j'ai même pas touché au joystick. Mais j'y... Et pourquoi 9% du calice là? Attends, j'ai tué quelqu'un en sautant dans l'eau? Allez, viens là. Ah, c'est intéressant. Ah, bah allez-y, venez, hein. Moi ça me fait mon calice à 100%. Venez, rapproche-toi encore. Si toi pourrais être le niveau. Ouais, c'est pas con ça. Mais du coup, je sais pas si je vais retrouver mes trois. Et merde. On va dire que ça ira. Il ne paie pas de mine comme ça, mais c'est qu'il est futé, le squelette. N'oublie pas, Gallomère recèle bien d'autres cachettes comme celle-ci, et parfois, tu y trouveras plus que de simples trésors. Hein? J'aimerais avoir une vision d'en face, s'il vous plaît. Parce que là, je vois que dalle. Ah, voilà. Ils sont juste en bas. Hein. Non! On n'a rien vu. Et Koh-Lanta, là, t'es un peu trop lumineuse. Franchement, ta sentence, elle est pas très irrévocable. C'est quoi ça? J'ai l'impression que la fumée verte m'a rien fait. Bon, bah, c'est pas une AE, alors. Ou alors, c'est un truc pour camoufler des zombies?
Voilà, c'était ça. Allez, monte. Monte. Ben non, tu peux pas. Hein. Ouh, je les avais pas vus eux deux. Il y a encore une tombe. Elles sont bizarres ces tombes un peu lumineuses là. Je sais plus du tout ce que c'est la deuxième barre en bas. En bas de la vie. Voilà, on l'a vu. Lui là, cette chose. Ah, j'étais trop près quand même, génial. Qui m'a touché? Attends, je prends deux secondes. Donc après, il faudra aller ici. Ça, c'est le marchand. Ah, après, un bouclier en cuivre, un bouclier en argent qui est beaucoup plus stylé quand même. Qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui?
Alors, on est censé aller ici, hein, on est bien d'accord. Mais on ira après. Ah, en fait, on n'ira peut-être pas. Parce que je voulais la fontaine de Jouvence. On va essayer de chercher très rapidement s'il y a un moyen d'y aller. Ça m'étonnerait, mais... Eh oui, parce qu'en fait, c'est de là-haut que... Donc non, on peut pas y retourner. Je me suis peut-être bloqué tout à l'heure en tournant l'ange, un peu plus tôt. Il y a 2 heures, en fait. On peut vraiment pas faire quelque chose, là. Putain, elle est là, elle est juste là, elle me nargue, quoi. Bon, bah, go. Bah, c'est la clé. Encore une fois, c'est très chelou. Et les zombies qui dorment. C'est pas des zombies, c'est des loups. La nature n'est-elle pas merveilleuse? Cette majestueuse famille de loups a élu domicile dans ce ravissant cimetière. Dans leur tanière, 6 adorables boules de poils attendent que maman et papa leur apportent de la chair fraîche. Certes, la chair disponible dans un cimetière n'est pas de première fraîcheur, mais on en trouve facilement et en abondance. Tu ne vas pas me croire, mais dans certaines régions de Gallomère, des fermiers assoiffés de vengeance ont chassé jusqu'à l'extinction ces nobles créatures. Quel soulagement de voir que cette jolie petite famille, la dernière de son espèce, vit en paix dans ce cimetière où absolument nulle menace ne rôde. Bien, le dessin du loup était très joli, franchement. Mais alors, j'aime beaucoup les loups, vous le savez, pour ceux qui sont là depuis un moment. Mais ceux-là m'inspirent pas confiance. On parle de 6 petits et de la mère et du père. Donc on en a tué un. J'en vois 3 en face. Donc il m'en manque 2 en visu, plus le père et la mère. C'est pas l'idéal. Je vois que ça monte un petit peu en termes de stream, de visiteurs. N'hésitez pas à follow, c'est, comme ça au moins, si ça vous plaît, on refera des choses un peu similaires. Sous ta barre de vie, c'est la durabilité du bouclier, je viens de capter. D'accord, merci Nino. Il s'enfuit. Ah, par contre, elles sont soumises au relief. Que je pense à racheter des trucs d'or. Et c'est vraiment une arme de fourbe, l'arbalète, vous m'excusez, mais. Non, y'a rien. Caméra. Il va demander une rune. Tu aimerais te déplacer plus rapidement? Tu rêverais d'abattre des murs en chargeant? Rien de plus facile. Il te suffit de terrasser les terribles gardiens du cimetière et ce nouveau pouvoir sera tien. Tu ne sortiras plus jamais de ta tombe sans lui. C'est intéressant. Là-bas, il y a un coffre. Là, il y a un loup. Eh bien.
Oh non, je l'ai noyé. Oh le pauvre. Oh, il a pas fait long feu lui. Ok, là-bas on a de quoi régène. Le ciel est très lugubre et il y a l'air d'avoir beaucoup de vent. Attention, un peu de vent dans le Cotentin et des rafales à 80 km/h, vigilance orange, donc ne sortez qu'en cas de besoin. Oui, des fois je fais la météo. Non, il n'y a rien là-dedans. C'est bizarre, il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, il y a de la brume. Et on peut monter là? Enfin, je suppose que oui, parce qu'il y a une boîte à parole, mais il y a une gargouille. Bien, mais... Oui, en plus de faire la météo, tu me fais une météo perso, c'est pas mal. D'accord, tu es dans le Cotentin, Elferalgan ? Apparemment, oui. Allez, plongeons dans la tanière. Ah bon, ben on a le calice juste en face. Et je ne sais plus du tout du caméra, je ne sais plus du tout à quel pourcentage nous étions. Mais non, mais... Bon bref, à quel pourcentage nous étions pour le calice. Donc on peut aller ici. Attends, doucement. On peut aller ici aussi. Il m'a fait flipper lui. Bon, 92, au moins on a la réponse à la question. Hey, je sais pas si vous avez fait gaffe, pour ceux qui sont là depuis le début du stream. Au début, on prenait 5% par zombie. Dans le deuxième niveau, c'était 4%. Là, on est à 3%. Gameplay sur nous. Et là on est à 2%, ok je comprends pas. Pas confiance. J'ai noté, donc on peut aller voir lequel j'ai noté, vous en faites pas. Gameplay de peureux. Ah. Attends, ne bouge pas. Ah non. Oh là, il y a du monde, qu'est-ce qui se passe? Bonne soirée, des jeux de mots bilingues. D'accord, très bien. Ah oui, bonne, oh là, oh là là.
comprends pas trop la logique du... Ouais, du coup, bonne soirée, Alfie Algan, et merci d'être passé. Il y a un truc à faire avec ça, c'est pas possible. On va aller de ce côté là, mais il n'y a rien en face, hein. C'est bizarre quand même. Wow! Et vous allez tous tomber du ciel comme ça là, à travers les nuages? À travers les âges? On part dessus les âges, je sais pas. Utilise ton bouclier. Oui, j'y pense pas. Bon, on a atterri où en fait, parce que je... Ils sont bizarres ces cailloux là. Te mettre un bot qui te le répétera en boucle dans tout le chat. Oh merde. Bon, est-ce que ça passe d'après vous? Parce que je suis persuadé que ces cailloux ne servent pas juste là. Ils sont où? Là, ils sont trop mis en avant, trop lumineux pour qu'ils servent juste à ça, quoi. Puis la madame a parlé de charge dans les murs et tout. Donc soit j'ai pas compris, soit je sais pas. Enfin bon. Bref, là je suis censé tomber. Mais avec la caméra, je ne sais pas. Bon, ça passe. Eh bien voilà, on est refait. J'espère que j'ai rien oublié parce que sinon c'est la cata. Bonjour. Faut huiler un peu les gonds, hein, ça grince. Oh merde, papa et maman. Même tête. Doucement. L'arène est petite. On va pas y aller à la distance, il va falloir y aller au corps à corps. Ok. Bon, d'abord on va faire un peu de lecture. Tiens, on les avait pas lus, ça là. Bon, je vous la lis pour tout à l'heure. On l'avait pas lu. Donc c'est le boss de tout à l'heure. Démon vitrail, j'ai toujours été sceptique quant au fait de faire figurer un démon sur un vitrail, je les avais pourtant prévenus, c'est un peu osé dans un lieu saint, non? Et si un sorcier mal intentionné usait de magie noire pour lui redonner vie? Mais ils ont fait la sourde oreille, bon d'accord, il a des os de verre, mais si tu crois que ce sera facile de lui briser le cœur, j'aimerais autant te dire que je te trompe lourdement. Bien, les gardiens du cimetière. Ces créatures forment l'ultime rempart de l'humanité contre la menace venue d'outre-tombe. Elles empêchent les sacs d'eau ambulants de pénétrer dans le monde des vivants. Le meilleur ami de l'homme, peut-être, mais certainement pas celui de Dan. À un temps, je suis un sac d'eau, d'os. Il y a deux chiens, deux loups en face de moi. Ça peut être mon meilleur ami, non. Il va jouer avec moi, là, le chien. Eh mais... Regardez, ils me prennent pour une proie. Regardez comment ils se tournent, là. Viens là. What? Oh, ce qu'il m'a mis. Mais... J'ai pas compris. C'est quoi la strat?
J'ai pas compris. Je vais dormir, ne te loupe pas. Oh mon dieu, d'accord. Merci Ralga. Bonne nuit Ralga. D'accord, ok. Il y en a pour un moment, j'espère que je vais avoir assez de... Ouais, en fait, on va y rester avec ça. Ah mais non, c'est les deux. Ah mais maintenant il me court après. Il y a une phase 2. Tout à l'heure il n'y en avait pas, maintenant il y a une phase 2. Moi aussi je peux sauter, regarde. Oh là là, viens. Regarde, je l'ai dressé en fait. Surcharge déverrouillée. Tu loues. Mais c'était considéré comme un boss, ça? Ah oui. D'accord. Bon, j'ai besoin d'acheter de... Et là, regarde, il y en a encore une, là. Il y a encore une tête, là. Je sais vraiment pas ce que c'est. Va à la fontaine avant de quitter le niveau. Oui. Ah ben, a pu la fontaine. Oui, on l'a utilisé en entier tout à l'heure, donc a pu la fontaine. Par contre, il y a ça. Mais c'est quoi ça? C'est un mystère que j'aimerais résoudre rapidement. Il y a des têtes avec des chapeaux. C'est pas un bug de texture, c'est vraiment pas possible, c'est fait exprès. Tout a changé hors de la nécropole. Il y a des chemins qu'il vaut mieux éviter d'emprunter. Une mort atroce et douloureuse t'attend au détour de chaque virage et de chaque colline. Bon voyage. Ok. Bon, moi, la créature a été polie, elle m'a dit bon voyage. Retour au rôle des héros avec un calice en plus. Vas-y, troll. Te voici dans le centre commercial du hall. Bah, en fait, elle nous l'a déjà dit. Allez, mange mon argent. Tu penses continuer encore longtemps? Je sais pas, je t'avoue.
Donc il y a Ralga tout à l'heure qui a dit qu'il y avait 20 calices, on en a 4. Et je pensais en faire 5 en fait, un quart. Bravo Fortez! Certains autres gars ont parié que Zarok utiliserait ta cage thoracique comme porte-toast maintenant. Mais moi, je savais que tu t'en sortirais. Tiens, voilà un petit quelque chose en plus que je peux te donner. Ça pourrait t'aider. Tu le veux? Double coffre. Ah bah de l'argent et de l'argent, merci. Tu voulais pas me donner de la santé? Ouais, c'est ce que je vais faire, Nino. Je vais faire un calice en plus. Il est quelle heure? Ah, mais il est que 11h30 en plus. Ouais, c'est ça. On va faire un calice en plus. Et après, on arrêtera et je reprendrai. Je reprendrai demain très de bonne heure dans la journée. Vraiment. Et je ferai en sorte. Ok, on est sur un écran de pause. Je sais pas. En début d'après-midi, je pense. Parce que après il y a la BlizzCon et clairement je vais essayer de suivre ça, donc ouais, demain je vais essayer de refaire ça en journée ou demain matin, on verra, ça dépendra. Ou peut-être demain matin, ouais, ou demain matin et demain après-midi, on verra bien.